Alors là, c'est la deuxième fois que je regarde le trailer. En fait, j'avais pas mis mon micro malheureusement, du coup j'ai dû recommencer cette vidéo. Donc je vais la re-regarder une deuxième fois pour la famille. Pour moi surtout, parce que je suis un grand fan de zombies. Black Ops. Je le re-regarde. Et je vois vraiment que le gameplay a l'air salé. Le trailer a l'air super. La musique pour moi elle est juste sacrée quoi. Elle est vraiment belle, tu vois. Ils ont vraiment mis tout ce qu'ils ont pu. Je trouve ça énorme. Étant un grand fan de Black Ops, j'adore ce qu'ils ont fait. Les musiques sont vraiment belles. Je suis pas du tout déçu. À mon avis, ça va être vraiment cool le 12. Ce sera pas à partir de minuit, malheureusement. Je vais éviter de me faire spoiler le jeu. Je vais juste me spoiler sur ce trailer. Je vais essayer, je dis bien, essayer de pas regarder. Oh là là. Oh là là. Oh là là. No way out. Pas de sortie de secours. Y a pas d'issue, sans issue. Putain. Tellement réussi la femme. C'est peut-être comme je disais tout à l'heure que ça, on m'entendait pas. Je disais que c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit sur un Black Ops. On les reverra bien sûr sur Black Ops 3, Black Ops 4. Mais est-ce que Black Ops 5 il existera? Est-ce qu'il y aura Richtofen et tous les autres personnages? Ça, c'est une grosse question qu'on se pose. C'est peut-être la dernière fois en fait. La nouvelle arme, vous voyez? Une nouvelle arme. Il y en a 25 en tout. Je sais pas si les 25 sont des nouvelles armes. Ou alors si les 25, on pourra les améliorer. Des armes qu'on connaît déjà. J'adore. Propre. Quoi ça? C'est un diamant? Grosse question. Trop beau. Putain, l'espoir est mort. Dead of the Dead. C'était Mob of the Dead pour ceux qui connaissent. Et là, ce sera Blood of the Dead. Ça, c'est pour faire connaître aux personnes qui connaissent pas, justement. Et oui. C'est juste excellent, la famille. Excellent.
Donc voilà la famille. Et je vais vous laisser sur cette musique. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je me spoil. Et j'ai pas envie de me spoiler plus. C'est déjà énorme ce que j'ai vu. On verra la suite, la famille. Ça signifie quoi? Qu'il va y avoir d'autres maps. Et là, on s'est pas fait, je me suis pas fait spoiler sur les autres. J'étais déjà au courant qu'il y avait Blood of the Dead. Et pas Mob of the Dead. Attends. Ça me pose question quoi. Est-ce que c'est la suite de Mob? Ou alors c'est un remake? Beaucoup penseront que c'est un remake. Mais pourquoi Blood? Pourquoi Blood of the Dead du coup? C'est une grosse question que je me pose. Super, franchement, super trailer. On attend avec impatience. Qu'est-ce que ça va donner la fête? Bon, je vais vous laisser sur cette musique. Et je souhaite à tous, à ceux qui feront Black Ops, je vous souhaite à tous un bon zombie, un bon multi, un bon battle royale. Mais surtout un bon zombie. Comme on les aime. Voilà. Allez, je vous laisse la famille. Et je vous dis à demain. Et puis, pour Black Ops, ce sera le 12. Du coup, après-demain, la famille, ça va... Dans 24 heures, en gros. Dans 24 heures et peut-être un peu plus. Pour moi, parce que... C'est possible que je reçois le jeu dans la journée du 12. Ce sera pas... Avant une certaine heure de la journée, du coup. Bah, dès que je l'ai, je tente de live direct. Allez. Je vous embrasse la famille. Peut-être avec Rabu, hein. Mais lui, il aura le 13, donc ce sera peut-être trop tard. Bon, la famille, prenez bien soin de vous et kiffez votre life. Bisous la famille. Je vous dis à demain. Hasta la vista les boys. Ciao.